J'ai eu la parole à un restaurant. Et moi, j'étais 13 verset 16. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'ils soient aussi enfin qu'ils fassent avec joie, et non en gémissant, et qui ne vous excellent aucun davantage. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Gehoorzaam de voortgangers. Want zij brengen verschil. Car il veille sur vos âmes. Want ze waken over uw zielen. Donc il en attend compte au Seigneur. Want wanneer je rekenschap zal moeten afleggen. Alléluia. Mais maar dat vinden we vandaag niet in de kerk. Vandaag is het tegenovergestelde. Dus, il parle de mauvaises paroles concernant son pasteur et il est aussi à l'aise. Dus iemand die goed in de kerk altijd komt, zegt slechte dingen over zijn pastoor en hij vindt het ook goed. Seigneur, nous avons combattu. We hebben gevochten. À tel point charnellement pour défendre le nom de notre pasteur, nous à notre époque. Dus om de naam van onze pastoor te verdedigen in onze tijd. Et ça me fait aussi de fierté aujourd'hui, c'est que je suis. Je sais que Dieu fera grâce. Ik weet dat God genade zal doen. Mon père spirituel, il est ici en Bruxelles. Vivante. Père is nu in Vilvoorde. Et là, c'est déjà commencé l'église. Dus hij is ook begonnen, Christus. Un jour, il sera ici pour nous prêcher. Si Dieu le veut. Dus hij zal hier komen, kijk, als God het wil. Le jour, je l'avais invité dans l'église là où je dirigeais, en Angola. Dus de dag dat ik hem al uitgenodigd had in Angola. Lui, il prêchait à Lingala, moi je faisais interprétation en portugais. Hij deed in de Lingala, ik deed in de Portugees. Il prêchait de moi je faisais interprétation. Dus hij zat te prediken. Il m'a regardé. En hij keek mij aan. Il m'a embrassé. En hij knuffelde mij. C'est mon fils bien-aimé. Kijk, dat is mijn geliefde zoon. Il a laissé de prêcher. Hij hield ook met prediken. Il a commencé à parler sur moi. Hij begon over mij te praten. Ma femme est témoin. Dus il hij zal het eens getuigen. Hij zal het eens getuigen. Il a dit, mon frère, viens. Mon broeder, kom eens. Il a fait comme ça. En hij deed dit. Et femme, non? Ça sera bien, non? Il m'a saisi comme ça. Il m'a dit, toi aussi, me saisis. Il m'a fait la saisie bien. Dus ik voelde hem ook vast. Mon père, maman. Il a commencé à me regarder comme ça. Il a commencé à me regarder comme ça. Mais comme il est chez moi, je me regardais comme ça. Il a commencé à me regarder comme ça. Il m'a dit, mon fils, c'est mon fils bien-aimé. Il a commencé à expliquer ma vie concernant l'église. Il a dit, je suis ce que vous voyez. Si moi j'ai sur 100%, si moi j'ai la chose de dire à 100%, si moi j'en ai 100, lui il a 80%. Concernant tous mes fils spirituels que j'ai mis au monde, si j'en ai 10, je suis à 8 en 8. Dan heeft hij 8%. Il a dit, il n'y a aucun fils qui est comme je suis. Er is geen zoon zoals je suis. Donc il faisait des choses, même moi, son père, ici à Angola, je n'ai pas encore fait. Dus hij doet dingen die ik, zelfs ik, zijn vader nog niet heb gedaan. Quand nous servons l'éternel. Dus wanneer wij de Heer dienen. Quand je t'ai baptisé. Wanneer ik gedoopt was. Moi, j'avais commencé à fréquenter l'église à bas âge. Ik begon naar de kerk te gaan toen ik al klein was. Mais je baptisé en 98. Maar ik was gedoopt in 98. Mais avant d'être baptisé, j'ai commencé à prêcher au marché Gambela, dans les autocars, dans les bus, par là. Voordat ik gedoopt was, maar prêchais wel een beetje overal. Mon père avait beaucoup maltraité. Mon père spirituel. Dus mijn spirituele vader. Il m'a baptisé même devant la chaîne comme ça. Had me veel mishandeld. Vous savez, de faire une interprétation, c'est pas facile. Dus om het woord te tu attends autre chose et tu parles autre chose. C'est pas facile. Je hoort dingen, maar je zegt. Quand tu fais une erreur, il va te frapper devant mon père physique. Il était là. Parce que quand moi je me suis converti, j'ai donné toute ma famille. Mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, même mes frères quartier. Donc j'ai donné toute la famille à tel point qu'on a mis une cellule dans notre quartier, à cause de moi. Dus toen ik bekeerd was, heb ik heel mijn familie gewonnen.
Je disais toutes ces histoires pour avoir comprendre l'importance de la maturité. Ik vertel jullie al deze verhalen om de belangrijke van de maturiteit te stappen. Mata pas mal bo. Dus gelijk één klap. Le Christ. Alléluia. Si c'était toi, vraiment. Als jij het was. Ah, donnez vous, je mets la police. Non, 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 non. Ik zie wel aan zo. Alléluia. Alléluia. Être mature, ce n'est pas ce n'est pas que le fait de commencer l'église dès le commencement. Non, 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 non. Maturiteit hebben is niet dat je perfect bent. Altijd gehoorzaam. Aan mijn père spirituel. Was altijd gehoorzaam aan mijn spirituel. Aan mijn mère spirituel. Zelfs aan mijn spirituele. Quand je parle à sa maison. Wanneer ik naar mijn maison. J'ai lavé les siens. Was ik zelfs de woorden. J'ai lavé les vêtements de mon père. Mais j'étais marié. Zelfs de kleren van mijn spirituele. J'ai demandé à ma mère. Les vêtements sales de mon père. Hij was getrouwd, maar toch deed ik het. J'ai faisais marcher. Donc quand mon père me restait dans mon bus, maman Marlène, dès la cour Fabal m'a senti déjà. Nous avons pas témoin, maman n'a seul pas. J'ai faisais marcher comme ça. Son maman dès son son maman voulait voir comme il a la papier. La seule personne qui voulait dire quoi c'est qu'il est. Nous avons une boodschap pour son compte. Alléluia. Nous avons la valeur de l'obéissance. Zien de waarde van gehoorzaamheid? Alléluia. Alléluia. Et mon père avait beaucoup prophétisé de bonnes choses sur moi. Mon père avait beaucoup prophétisé. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. À cause de l'obéissance. À mes conducteurs. La Bible déclare obéissez à vos conducteurs. Notre bénédiction dépend de vos pasteurs. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu. Un homme de God. A l'influence sur ta vie, même par rapport à ton père physique. Heeft invloed op je leven. C'est que les gens ignorent. Ton père ou ta mère peut te maudire. Je vader of je moeder kunnen je vervolgen. Je ne peux pas mettre la n'a pas de problème. Mais ton pasteur, quand il prenait la Bible, Seigneur, sur la croix, tu avais tout. Tout est accompli. Tu avais déchiré. L'acte ou l'ordonnance qui nous condamnait, moi, en tant que ton serviteur, je retire toutes ces paroles-là de la négativité. Tu vois? Ça sera fait. En het zal gebracht worden. Si tu crois seulement. Als je daarin gelooft. Alléluia. Nous devons être matures. Dus we moeten voor de façon d'offrir à Dieu. Dat is de manier waarop we geven. Il y a des gens, on a l'habitude d'offrir, c'est vrai, des petites pièces là, des 1 euro, 2 euros. Donc pour lui, il a déjà. Signer le contrat. Donc il y a déjà, il a mis déjà ses limites. Moi, je ne passerai jamais, moi je ne verrai plus jamais 5 euros. Seulement 2 euros, 1 euro. C'est des gens qui font 1 euro, 2 euros, geven, qui nooit dan 5 euros. Ça, ce n'est pas ça le modèle d'être un enfant de Dieu mature. Non. Dat is niet het voorbeeld van een volwassen kind van God. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir obéir aux hommes de Dieu. Je moet kunnen gehoorzaam aan de mannen van God. Là, c'est le troisième caractère d'un homme mature. C'est alors cette église ira plus loin. Nous pouvons être même deux ou trois personnes seulement, mais avec la maturité, on sera plus fort. We kunnen zelfs met twee of drie personen zijn, maar met maturiteit zullen we sterker zijn. Même papa dans ta foyer, dans ton foyer. Zoals je vader. Sois un homme mature. Wees een. Il ne faut pas. Mettre la main sur ma ta main sur la tête de ta femme aux yeux des enfants. Je moet nooit bijvoorbeeld je vrouw slaan voor de kinderen. Il n'est pas bon de frapper maman devant les enfants. Het is niet goed om je vrouw te slaan voor de kinderen. Papa aussi tu dois être un papa responsable. Want jij moet ook een verantwoordelijke man zijn. Alléluia. Un papa responsable. Een verantwoordelijke vader. Je répète ce mot-là. Ik herhaal. Il ne faut pas dire qu'ici on est à l'Europe. Lui aussi il parle beaucoup. Il ne sait pas qu'ici on est à l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui nous a payé. Non, non, non. L'Europe passera. L'Asie, l'Amérique, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alles zal voorbij gaan, maar de woord van God zal nooit voorbij gaan. Même les blancs, il y a des personnes mortes. Zoals onze blancs broeders. Nous devons respecter la parole de Dieu. We moeten het woord van God. Nous devons respecter les hommes de Dieu. We moeten de mannen en de vrouwen. À qualité des prophètes. Si tu obéis à ton pasteur, als je gehoorzaamt aan je pasteur, si tu vois la gloire de Dieu, zal je de glorie van God zien. Alléluia.
car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas acheté pour nous une maison, une salle comme ça, à partir d'aujourd'hui, nouvelle armée, voici votre salle, etc. Mais si tu n'obéis pas à vos conducteurs, tu seras nul et sans effet. Tu seras zéro. L'obéissance. Le troisième caractère. Parle avec moi l'obéissance. Le ballon d'obéissance. L'obéissance. À vos conducteurs. Nous avons tout le passé, nous n'avons pas l'est. Pas mal comme ça l'année. Je vais essayer de passer tout le monde. Dus ik ga niet meer naar de kerk komen. Amen. L'obéissance. Dus gehoorzaamheid. C'est très important. Het is heel belangrijk. Car Dieu ramènera toutes choses à jugement. Que Dieu vous bénisse.